1,5 milliard de dollars de subventions accordées à l'Éthiopie. La Banque mondiale a approuvé le financement de son tout premier prêt de soutien budgétaire à Addis-Abeba, alors que le pays d'Afrique de l'Est tente de faire avancer la restructuration de sa dette, qui dure depuis longtemps. L'organisation accordera une subvention de plus d'1 milliard de dollars sous la forme d'une ligne de crédit à faible taux d'intérêt dans le cadre de la première facilité de son soutien budgétaire direct accordé au deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. L'opération vise à soutenir le gouvernement éthiopien à un moment critique dans ses efforts pour accélérer la réduction de la pauvreté et passer à une croissance plus inclusive, durable et tirée par le secteur privé, a déclaré la Banque mondiale. L'institution financière prévoit de fournir environ 6 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années fiscales et de soutenir les réformes économiques par le biais d'un soutien budgétaire à décaissement rapide. Ce financement fait partie d'un ensemble de mesures de 10,7 milliards de dollars prises par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et d'autres créanciers, selon des responsables éthiopiens.